Plus de 400 migrants maliens ont été rapatriés. Ils ont été reçus à Bamako. Ils se trouvaient auparavant en Algérie où ils tentaient de s'installer. Mais Alger peine à fournir des cartes de séjour aux ressortissants maliens. Ces rapatriés se disent même victimes de mauvais traitements. De violents affrontements avaient eu lieu le mois dernier à Tamanrasset. Écoutez ce témoignage. Les Tamarasek algériens, ils ont commencé à frapper les gens et voler notre argent. Ils ont chassé de leur territoire. Et tu vois, on n'a rien fait. On demande à l'autorité malienne de nous aider vraiment, de nous aider. Parce qu'on a quitté notre pays pour aller chercher de l'argent, pour venir s'occuper de la famille. De quand on nous a chassés, on n'a plus rien. Même le transport pour aller à la famille, on n'a pas. Et tu vois, donc on veut les autorités nous aident vraiment. Surtout, ils nous donnent des travaux. Parce qu'on est allé, on a perdu beaucoup de temps là-bas. Témoignage recueilli par Kaourou Magassa.